Salut, aujourd'hui on est à Haïcourt, à 60 km de la maison, et on va gravir les terris jumeaux d'Haïcourt. On s'est garé juste là-bas. On va dormir cette nuit au parc d'Olin, et il y a un petit bonus, on va aller chercher un objet pour équiper le van. Donc on va te montrer que c'est possible de faire un petit road trip pas loin de chez soi. Là on a fait que 60 km, on va dormir seulement à 60 km de chez nous. Mais le dépaysement va vraiment être au rendez-vous, je vais te montrer tout ça. Voilà, donc on a déjà monté pas mal. Et maintenant, il nous reste à monter tout ça juste derrière nous. Allez, c'est parti! Plus raide, et dire que tout ça c'est le reste des exploitations minières. Allez, on continue. D'ici on peut apercevoir les corons, ces maisons pour loger les ouvriers au pied de la mine. Là, on peut apercevoir toutes ces maisons qui sont identiques. On a mangé, on a été au Carrefour Market d'Haïcourt, et là on va aller chercher la surprise. Après on va manger du flan. C'est parti, on se téléporte. Et on a récupéré notre petite banquette avec ceinture intégrée. Donc en fait la personne l'a vendu 15€, l'avait mis en vente, il n'y avait aucune personne intéressée. Puis quand moi je lui ai envoyé un message, il dit bah si vous voulez je vous la donne. Du coup on a été la chercher juste à côté. Voilà, donc on arrive pluie, donc je mets une petite veste et puis là grand soleil, ciel dégagé. Là, on est vraiment étonné parce qu'ici ils ont créé des chemins avec le coronavirus, donc des chemins de distanciation sociale. Donc t'as un chemin à gauche et un chemin à droite, comme ça on se croise pas. Donc, c'est hyper cool. Donc voilà où on dort cette nuit, la base de loisirs d'Olin. On en profite pour dormir juste ici. Donc au calme, y a pas de bruit, juste le bruit des oiseaux. Donc voilà, ça va être hyper cool. Ça monte jusqu'à ce que mon petit cœur tichon et ça fait bim bam. C'est immense. On va reprendre la route, là on prend la route sans GPS, juste à l'instinct en suivant une direction précise pour rentrer. Et voilà, c'est que du plaisir.